Salut les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog itisan3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de notre aventure sur Prey, un jeu PC qui m'a été offert par Hermine. Encore une fois, très grand merci à toi. Et je vais dire juste un merci, mais un grand merci à toi. Ça fait plaisir. Nous sommes actuellement dans le grand hall de Talos. Je m'apprêtais à aller dans les neuro, dans le département des neuromodes. Tout simplement pour aller chercher un petit quelque chose, notamment des informations sur le faux custo. Je rappelle, Daniel Shaw voudrait qu'on élimine, donc on va aller essayer d'aller voir si on peut trouver quelques infos sur lui. Ce serait pas une mauvaise chose. Par contre, on va devoir faire très attention, quoique... Si, voilà. Qu'est-ce que je disais? Au revoir monsieur, j'étais ravi de vous rencontrer. Et l'autre genre hein, par contre, faites gaffe. On va peut-être aller croiser, d'ailleurs il y en a un au-dessus là-bas. Ça va attendre quelques minutes. Je sais pas trop où est-ce que tu t'es envolé toi quand t'as explosé, mais c'est pas grave. Peut-être que t'étais pas mort. Là pareil, les éléments qui passent à travers le décor. Il est mort ou pas? Normalement c'est bon. Ouais, c'était un fantôme, tout ce qu'il y a de plus banal. Alors, voyons voir. Équipage. Le seul qui reste, je crois que c'est le 37. C'est celui qu'il faut qu'on trouve. On a vu, on peut voir qu'on a trouvé tous les autres d'ailleurs. Il se trouve dans la passerelle de Talos. Donc là, je vous avoue, on va sûrement faire des allers-retours dans différents environnements. Pour essayer de faire au mieux. Et récupérer les éléments qui nous manquent. J'espère qu'il n'y a pas trop de nouveaux gugus qui seront apparus ici. J'ai deux ou trois choix et j'hésite. On va déjà commencer par aller au département pour aller terminer la mission de Black Box. Quoique, on a une autre mission ici à faire. En ouvrant cette porte là. Voilà qui est fait. Regardons s'il y a des choses à voir ici. Rien, 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 rien. Mallette, mallette, valise. Coffre-fort de Devries, je sais pas comment cela se prononce. Un document, société cellulaire. Et pourtant, les effets de la technologie médicale sur les normes de la société peuvent se faire sentir davantage. Prenons un exemple récent, la consommation de tabac était bien souvent mal vue jusqu'à ce que des avancées dans l'industrie alimentaire permettent de découvrir des microsphères ingérables pouvant capturer et expulser les cellules cancéreuses hors de l'organisme. La peur du cancer et la mauvaise image attachée à la cigarette sont évaporées et simultanément en une seule génération. Désormais, fumer est considéré comme aussi peu nuisible que boire un soda. Ça reste un petit peu nuisible. Nous avons la clé de décryptage. Merci, nous avons deux mails. Mince. Hendrix, j'ai besoin que vous retiriez immédiatement tout matériel sensible concernant les évaluations psychologiques. Les sessions de Morgan sont une priorité. J'attends le matériel dans mon bureau. À partir de maintenant, nous ne communiquerons que via un transcribe scripté. Crypté, pardon. Je vous ai envoyé le code de décryptage. Vous devriez pouvoir le télécharger sur votre poste de travail, Alexio. Hendrik, Trevor Young est l'un de nos scientifiques. Il est entré dans la zone de confinement interne sans protection. Il est en observation au département psychotronique. Nous avons procédé à une ablation préventive de ces derniers neuromodes, mais nous souhaiterions la maintenir en quarantaine pour vérifier s'il ne subit pas d'effets psychologiques sur la durée. Vous travaillerez avec le Dr Cole. Merci, Alexiou. Maintenant, on va... Ok, on va... ouvrir...
Bon, je sais pas quel raccourci utiliser. Les données, journaux audio, il faut qu'on trouve le journal audio qui nous correspond. En espérant que je l'avais bien récupéré. La cellule de dégrisement. Échec de module 1. Injecteur de particules. Colis non livré. Crise de nerfs de Morgane, c'est ça. Alex, bon sang. Attendez, je crypte le reste de cette. Très bien. Le Dr Cole a déjà supprimé l'enregistrement de la crise de Morgane de son ordinateur. La dernière copie est cachée dans son bureau. Je n'y retournerai pas. Vous devrez la récupérer tout seul. A, C, B, A, C. Bonne chance. A, C, B, A, C. On va aller voir ça du coup. Ça va le faire, ça va se passer. Voilà, mission accomplie. Merci monsieur, au revoir monsieur, il faut qu'on aille dans le bureau d'à côté. Bonjour, avez-vous pris rendez-vous? Alors, A, C, B, A, C. Ouh. Des mois entiers que j'ai juste oublié. J'ai écouté les enregistrements, lu les recherches, j'ai essayé de rattraper mon retard. Savez-vous combien de fois nous avons eu cette conversation? C'est la cinquième fois. Ça se passe toujours comme ça? Pas toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? À votre avis? En tant que thérapeute, ça devrait vous inquiéter. Vous avez laissé un message à votre attention. Voulez-vous l'écouter? Non. Ça pourrait vous aider? J'ai dit non. Ce n'est pas moi. Pourquoi dites-vous ça? Je sais pas. Je le sais, c'est tout. Vous étiez d'accord. Bienvenue. C'était votre idée. Puis-je vous aider? La vôtre et celle d'Alex. Je n'ai jamais donné mon accord. Ce Morgan n'est pas moi. Jamais je... Les Yu causent beaucoup de problèmes sur Terre. Et aujourd'hui, ils jouent avec les étoiles et pensent ne pas se brûler. Je me demande pourquoi vous nous avez... ouvert la chambre et montré l'horizon. Aiguisé, affûté, affamé, vous vous entourez de machines, de choses. Elles ne vous protégeront pas. Elles vous mangeront aussi. Et quand elles auront fini, je prendrai votre combinaison. Je deviendrai MU. Et j'aurai accès à la navette. Il est à fond, le cuistot, à fond. Bon, ça, c'est fait. Et j'ai ma petite idée après, peut-être qu'on va essayer de faire autre chose. Parce que j'ai bien envie de tenter un truc pour voir. Je sais pas si ça fonctionnera. Ah, va falloir que je fasse gaffe. Il y a un toc de monde, c'est pas croyable, quoi. Je vais essayer d'aller rallumer la lumière. Il y en a encore un, je pense, au-dessus. Ah, mais je l'avais pas vu, lui, là-haut.
Merci, monsieur. Je dis merci. On sait qu'il y a une bestiole là-haut, donc on va y aller avec délicatesse. Tiens, qui c'est qui est là ? Voilà, un autre problème de régler. Le cadavre de tisseur, parfait. Voilà, par contre, va falloir faire gaffe. Quoi ? Non. Voilà, on rentre encore. Endommagé. Il y a pas moyen d'être tranquille, hein. Nous voulons le trouver, monsieur Lawrence. Qui est où d'ailleurs? Vous avez laissé un morceau, s'il vous plaît? Merci. Lane Park. Non, pas Lawrence. Lane Carpenter, excusez-moi. Voilà qui est terminé pour lui. C'est une autre mission accomplie. Il est mort. Bouclé. Fini. Fille Jim. Des batteries. J'aime ça. Et du coup, l'ordinateur. Transférer le dossier. Projet Black Box. Alors, rapport d'avancement confidentiel DB3, Dest, William Yu, département laboratoire technique, chef de projet Lane Carpenter, projet Black Box, le développement du module à rayonnement Q pour opérateur militaire NCN9, Black Box est en avance sur les délais prévus, voici le degré d'avancement des tâches principales, optimisation de la plaque de micro-refroidissement terminée à 87%, recirculation du contrôle ambiant terminée à 70%. Comme vous pouvez le constater, nous touchons au but de ce que le système de refroidissement aura été optimisé. Dès que le système, pardon, de refroidissement aura été optimisé et intégré au mécanisme de mise à feu du canon à rayonnement Q, nous pourrons procéder à l'expédition de prototypes sur Terre. Les essais se dérouleront comme prévu. Les premiers résultats montrent une prometteuse agitation de la structure moléculaire des systèmes visés. Nous ne sommes pas encore passés aux essais sur cibles vivantes. Le schéma pour les batteries de rayonnement, là. Voilà. Et on a tout, on peut repartir. C'est quoi cette histoire de terminal, là? Ah non, c'est un autre terminal que celui que je cherche. Non mais oh, je suis pas là. Bonjour, Dr. Yu. Diagnostic en cours. On dirait que vous avez eu une rude journée. Ça ne prendra qu'un instant. C'est terminé. Vous pouvez remplir le questionnaire de satisfaction à la réception. Merci, monsieur. Au revoir. Donc, on a terminé Black Box. Ça, c'est fait. Il va falloir que je termine encore 2-3 petites missions secondaires. Qu'on est largement en mesure de faire. Par contre, faites gaffe, parce que généralement, quand on ressort d'ici... Bah non, ils n'y sont pas encore. Souvent, il y a les cystoïdes par là. Quand on repasse. Vous avez une suite? Alex devait vous avoir à la bonne. Ok... C'est le cas. J'avais le docteur Calvino pour voisin direct. Je retire ce que j'ai dit. Alex devait au contraire vous détester. Calomnier le corps médical est contre-productif, si je peux me permettre. Calvino est mort. C'était un brillant scientifique. Il mérite notre respect. Comme c'est ironique. Après tout le respect que vous avez montré à Morgan dans le labo de simulation. Les deux Dr. Yu avaient approuvé l'expérience. Vraiment? Et le troisième Dr. Yu, avec qui nous sommes actuellement? Je ne suis pas certaine que notre Morgan l'approuve aussi. Ils ont une discussion assez particulière, quand même. Faut que je réfléchisse à là où je veux aller. Ah si, je sais ce que je voulais faire. Bonjour, content de vous voir.
Parce que j'avoue que j'ai toujours pas trouvé comment ouvrir une des portes. Donc on va tenter de troller le jeu. C'est qui celle-ci, Caroline Wheeler, à l'extérieur de la station? Accès aux navettes. Accès aux navettes. Vous voyez, il y en a plusieurs qui sont marqués en stable. Et je suis prêt à parier que je sais où ils sont, mais peut-être qu'il y a un moyen de les repérer en fait. Et c'est ce que je vais aller voir dès maintenant. Non, il va bien falloir que j'ouvre cette porte du coup, mais comment? Si, c'est bon, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche, donc on va continuer puisque ça fonctionne. Accès aux navettes. Passerelle de Talos. Voilà, je parais qu'il est aussi au-dessus. En fait, c'est juste les bracelets qu'on trouve. Votre attention, la direction de la station a lancé une alerte. Tout le personnel doit se diriger immédiatement vers les points de rassemblement et attendre de nouvelles instructions. Est-ce qu'il y a un moyen pour passer assez près ou pas? Ah, j'ai l'impression que ça va être chaud, parce que vous voyez, j'ai toujours pas la carte. Et j'avoue que je ne l'ai pas trouvé jusqu'à présent. Bon, bah faut croire que celle-ci ça ne marchera pas. Bon, ma technique n'était pas infaillible. Dommage. Par contre, ça me perturbe beaucoup. Pour la demoiselle, peut-être que c'est elle qui a la carte qui est à l'extérieur en fait. Je pensais avoir trouvé tous les cadavres, mais comme quoi ma liste n'est pas complète. Et ça, c'est un peu embêtant. On verra ça. Du coup, je vais laisser là-dessus. On va reprendre l'ascenseur. Aller jusqu'à l'arboretum. Ils aiment bien faire une petite surprise, hein. J'avais pas fait gaffe que c'est un endroit où on voit les TOG. Attention. Toi là, j'ai besoin de toi. Votre combinaison est endommagée. Je vais la réparer. Examen terminé. Merci monsieur. Au revoir monsieur. Je fasse gaffe, il y a toujours du monde. Je t'envoie le code de mon puits gravite. Tu m'excuseras. En espérant qu'il fonctionnera. Qui se balade par là-bas du coup. Quelque part ce n'est pas vraiment dérangeant puisque c'est là qu'on va aller. Fallait pas me chercher. Alors, Puck, Puck. On en est où au niveau des neuromodes par contre? On a 15, bon ça va. Ça, c'est à fond. Ça, c'est pour pouvoir porter plus de puces. Ça pourrait nous être utile par la suite. Je vais entrer là-dedans.
Et on va aller tout en bas de cet environnement-là. Est-ce qu'il y a encore 2-3 petits cadavres à trouver? Et 2-3 petites missions à faire. Morgane, ici le docteur Igwe. Êtes-vous à proximité des quartiers de l'équipage? Si oui, j'ai une requête purement personnelle à vous faire. Ma collection, la galerie de photos qui m'a valu tant de railleries. Chaque image constitue le code de décryptage d'un groupe de données neurales, de connectomes, d'individus reçus dans la station. Parmi eux, le pianiste Lettner. Il est mort. Son don ne peut pas disparaître. C'est tout ce qu'il en reste. Je vous en supplie, Morgan. Si vous pouviez... Je vous en serais reconnaissant. Je vous envoie un fichier audio qui ouvrira le coffre-fort de ma chambre. Vous pouvez le lire avec votre Tanstribe. Mais viens là. Là j'avoue que je sais pas trop si je vais dans quel sens je vais. Alors ça c'est le plafond, donc j'imagine que j'étais en train de descendre. Attendez, c'est simple. Objectif multiple, c'est en haut, donc je descends. Faut que j'aille vers le tuyau, voilà, c'est ça. Là, c'est bon, ils ont déjà tous explosé, tant mieux. Il y a juste le machin de... Ok, on est bon. Eh, doucement, monsieur. Alors, j'ai pas passé mon temps à fouiller cet endroit, hein. Quoique, attendez, il y a peut-être des choses intéressantes là-dedans. Non, ça m'intéresse pas. J'ai l'impression que je me suis trompé, non? Non, c'est bon. C'est bon, tout a explosé. Nickel! Ah non, il en reste une petite là qui se balade. D'ailleurs, on va peut-être chercher à s'occuper de ça tout de suite. Parce que ça, en fait, ça mène pas bien loin. Gravité normale détectée. Je sais qu'il y avait un machin là-dessus. Ce qui, on est d'accord, ne veut pas dire grand-chose. Bonjour, j'ai trouvé un machin sur un bidule. Bref, ça c'est fait, ça c'est bon. On avance. Ici, le cadavre de Brittany Lavallée. Avec le stockage du carburant. On va essayer de faire gaffe à ce qu'on a quand même dans les environs. On a un opérateur qui est coincé derrière. Donc voilà, Brittany Lavallée, c'est bon, c'est noté, on l'a vu. Canon glue. Alors avant de faire quoi que ce soit, on va chercher aussi à réparer ça, c'est un peu cassé. Et maintenant que ça l'est, on va remettre l'électricité qui est ici. Et voilà, tout qui refonctionne ou presque. Bon, ces éléments-là sont cassés, mais je ne vais pas les utiliser ici, ça ne servirait pas à grand chose. Par contre, nous avons un ordinateur avec un mail. Salut Brit, on vient sûrement de se louper. Préviens-moi quand tu seras rentré, j'ai besoin de toi pour accéder à la zone d'accès aux navettes. Désolé de te déranger avec ça, mais la sécurité ne m'a pas vraiment donné de carte d'accès. Merci Edward. Trop loin, trop vite. Hein. Ça, je ne veux pas réparer pour le moment. Là-dedans, dans mes souvenirs, c'est bon, j'ai vu. Ici, on peut accéder au truc de la navette, mais on n'ira pas pour l'instant.
Est-ce qu'il y avait des choses que j'aurais pu oublier? Normalement, on est bon. J'espère, du moins. Je venais surtout pour le cadavre. Et il a été découvert. Maintenant, on ressort. Microgravité détectée. La zone d'accès à la navette, on visitera ça plus tard. Maintenant, on continue à descendre. Un technopathe, super. Que du bonheur. Parfait. Vous m'excuserez, mon bon monsieur, mais... Merci d'être venu jusqu'à moi. Non mais aucun respect pour moi, ces gens-là, dis donc. Ah, je me coince contre les câbles. On continue à descendre. Et ici, on a le cadavre de Edward Douglas. Donc, c'est on a trouvé tout le monde ici. On descend. Petit ordinateur. Allez, viens par là. Voilà, un mail. Alors, ok Edward, je suis en position dans la zone de fret. On n'aura pas beaucoup de temps pour activer la gestion du fret de ton côté dans les TEG. Quand j'aurai lancé la commande ici, ça devrait rétablir le transport du fret. Merci de me donner un coup de main, je te promets que la prochaine fois, j'oublierai pas mon transcribe. Je t'ai sûr de l'avoir sur moi ce matin, il a dû prendre vie et s'enfuir, j'en sais rien. Je lancerai la commande d'ici dès que tu me feras signe. H. Utilitaire, on va activer ceci, activer le système de gestion des TEG. On attend un peu. Et on a 7 minutes pour faire le tour. Là-dedans. Voilà. Microgravité détectée. On se dépêche, il y a quand même du temps. Allez. Voilà, la porte, elle est où? Où est la porte déjà? Il y a une porte quelque part pour qu'on puisse passer. Elle est au-dessus. Bon, ça va, 7 minutes c'est large. Voilà qui est bon. Non, où est-ce que je vais moi? C'est par là qu'il faut que j'aille. Utilitaire. Voilà. Mail. Ok Eric, je suis en position dans la zone de fret, on n'aura pas beaucoup de temps pour activer la gestion des cargaisons de ton côté dans le TEG. Quand je vais lancer la commande d'ici, ça devrait rétablir le transport des cargaisons. Et merci de me donner un coup de main, je te promets que la prochaine fois, non, ça, tu l'as, on l'a déjà lu et lui il a répondu. T'inquiète pas, H tout est paré d'ici, c'est quand tu veux Eric, H toujours là, je ne peux pas rester longtemps. La présentation me retourne les tripes Eric. Sauf qu'au final il va rester très longtemps ici. Du coup ça c'est fait, est-ce que j'ai terminé ou pas? Je sais ce que j'ai oublié dans la carte au trésor. Pas grave, on va repasser devant. Ok, donc on peut remonter, c'est bon. Microgravité détectée. Je savais que j'oubliais un truc, mais... Il n'y avait pas que le cadavre. Dans cette zone-ci, il y avait un autre truc, il y avait un chiffre sur lequel il fallait que je zoome. Voilà.
Faudrait que je fasse gaffe à l'heure, histoire que j'ai le temps quand même d'aller manger un bout. Avant de passer en live ce soir. Microgravité détectée. Ah, par contre, ça, je m'en souvenais plus. Tout est verrouillé, sympa. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a que des hypopsies à l'intérieur, donc ça n'a pas l'air spécialement intéressant. On va aller ouvrir la porte. Et voilà, on va pouvoir explorer 2-3 petits caissons. Mission accomplie. Ça passe. C'est bon. Allons explorer ça. Je crois pas qu'il y avait d'autres choses ici. Ça devrait être bon. Par contre, faut que je ressorte de quel côté? Ah non, c'est de ce côté-là. Voilà. Ensuite, il y a une autre caisse ici. Et je crois qu'il y a un autre truc à explorer dans le coin. Est-ce que je l'ai fouillé celle-là ou pas? Non. Voilà. Celle-ci là-bas, je l'ai ouverte. Là, je l'ai pas fouillé par contre. C'est gagné. Donc je pense que là, c'est bon, j'aurai tout vu. Deux, trois, on a bien revisité trois caissons, ça devrait être bon je pense. Allez hop, on repart dans l'autre sens. On retourne jusqu'à l'étage supérieur vite fait. Voilà, je retourne par là parce que c'est là qu'on va trouver le dernier code de... Gravité normale détectée. C'est là qu'on va trouver le dernier code. En fait, je me souviens plus exactement où est-ce qu'il est. Là. Voilà, il faudra retourner au poste d'Abigail. Gaffe parce que si je me prends un truc, je vais me faire très très mal. Est-ce que j'ai visité ça? Oui, c'est bon, je m'en ai tout occupé. Parfait, on continue donc à monter. L'objectif est de retourner à l'arboretum. On a vu tout le reste. C'est bon. Enfin, quand je dis que... Je crois qu'il y avait un tisseur. Quand je dis qu'on a vu tout le reste, c'est qu'on n'a pas besoin de plus en fait. Hein. Ok, on y est. C'est bon. Parfait. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Ça va, tout n'est pas encore pété. On va aller par là.
Et je pense qu'on va pas tarder à arrêter la vidéo. On va juste faire une dernière petite chose. On va aller dans ce bâtiment-ci. La passerelle de Talos. Wen, en l'occurrence. Alors, faut que je trouve les bons papiers, par contre. Voilà, passerelle de Talos Wen. Est-ce que j'ai quelque part une info me permettant de vous dire... Il y a à peu près 11 personnes à trouver là-dessus. Aïe, t'es où? Non mais oh. Donc voici un premier cadavre, Matt Cotron. Un mot de notre chef de la sécurité, Madame Elazar. Pour protéger la vie privée de vos collègues, les terminaux de sécurité sont réservés aux utilisations autorisées uniquement. Si vous ne portez pas d'uniforme bleu, vous n'avez probablement pas les autorisations nécessaires. Ok, ça c'est bon. On va descendre par ici. Il y a des dégâts quand même qui ont été faits. Il y a des cadavres sur le décor, sur le trajet. On descend. Et ce qui m'intéresse, c'est ce lieu-ci. Ça, je prends. Nous avons ici deux personnes décédées, Sadie Hall et Gordon Beats. Je vais même les surligner. Voilà qui est fait. À l'intérieur, je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit à voir. Ici, nous avons Stone Blanchard. Que je coche. Rien à récupérer ici. Faut faire gaffe, qu'il y a des mimiques à l'intérieur. Ça, c'est fait du coup. De l'autre côté, nous avons... Personne. Personne et... Oh, surprise! Morgan Yu, ce module va marcher, mais je sais pas le lancer. Réglons nos problèmes sur Terre. Tout est terminé. Voilà. Monsieur s'est donné la mort. Au revoir, monsieur le Focuisto. Mission accomplie. Monsieur Cuisto n'est plus. Il reste donc le père de Michaela. Le quartier d'équipage, la chasse trésor, c'est pareil. Et le reste, c'est des missions qui apparaîtront plus tard. Donc on va revenir à l'entrée de cette zone. Et je vais arrêter la vidéo ici. En espérant encore une fois qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements pour aller visiter ce lieu. Oula, ce lieu, oui. Bon, on verra ça à peine plus tard. Donc, merci à vous en attendant. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Merci surtout à Hermine. Pensez... J'en vais éternuer, excusez-moi. Pensez positif, n'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstjeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut !